On a remis l'axe. On a surveillé ce point faible des bras RPM. Ça m'est jamais arrivé avec les bras Traxxas. Ils n'avaient pas le moindre souci. Ces bras Traxxas qui sont super bien étudiés. On va noter qu'il fait quand même moins 10 degrés là. Et que peut-être qu'un bras pas aussi flexible aurait cassé. Donc moi je roule en pignon de 14 sur courant de 54, pas le pignon de 15 fourni, et j'ai gardé les différentiels options spirale, non pas les 10 fournis dans le kit vitesse. Mon rapport est donc plus court que celui d'origine du X-Max normal. Si vous prenez la version vitesse, rien que le fait que les différentiels et des autres dentitions, ça rallonge évidemment la transmission. J'ai fait ça dans un souci d'économie des batteries, puisqu'on tire quand même énormément de jus si on va aller très vite à cet engin. Ouais, on va rejoindre le cornichon. Et vous voyez, même avec le différentiel central, ça n'empêche pas au X-Max de grimper super bien. Et qu'est-ce qui arrive à mon cornichon? Excellent. Tu vois, même avec le brushless, t'as vu comme t'avances doucement. Il n'y a pas de... Ça vibre pas et rien. Hein. Donc ici, nous avons un combo Goulercé. Un moteur à 25 euros, un variateur à 35 euros. Et vas-y, avance voir tout doucement mon cornichon. Voyez, on a mis un petit pignon de 14 et l'engin peut crapahuter tranquillement. Voilà, t'as une grosse motte devant. Ça lui permet une vitesse de pointe quand même aux alentours d'une 50-55 km/h. Ce qui est pas mal pour le petit. On peut régler la douceur d'accélération, donc l'engin ne part pas comme une brute, on ne casse pas les cadres dans l'accélération. C'est vraiment super sympa. Et on en profite vraiment de ce petit E-Max. Pareil sur le gros, vous voyez, le vélignon est vraiment bien foutu. On a un cogging vraiment minime. Et je suis surpris aussi de la transmission au Traxxas en métal, ce qui ne fait pas plus de bruit que ça, on profite donc quand même du bruiteur. Génial. Là, ça commence à venir. Allez, un peu trop tard. Allez, viens mon petit cornichon. On va se faire une petite ligne droite. Bien. On va partir de là. Tu te mets juste là où il y a la petite boule de neige là. Là c'est bon. Voilà. Tu te mets bien droit vers là-bas. T'es pas droit par rapport à moi, regarde. Recule un peu. Ouais, c'est bien. T'as l'œil mon petit, t'as l'œil, c'est bon. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, top. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que ton moteur, il consomme pas trop non plus. Donc normalement, tu devrais pouvoir rouler un moment. Ça fait déjà un bon quart d'heure que tu roules. Ah, moi j'adore ça, là, la neige, c'est trop bien. Attention! Ça? Ça passe partout ce machin, c'est vraiment génial. Attention, je redescends. Regarde. Voilà, faut faire attention par contre si tu descends ici, la terre est méga gelée. Regarde où on peut descendre, regarde. Regarde bien.
Est-ce qu'on peut monter? Oh, ça va être chaud, hein. Attention, hein. Oh, j'y vais. T'es prêt? On risque de casser, hein. Yeah! C'est une machine infernale. Hey, c'est bon. Ah, je peux pas te relever, t'es dans les décombres. Là, on va sur le tas en face. Attention, la glace, hein. Tu vois, elle casse. Ah, oh, je crois pas. Regarde, moi j'ai essayé de passer autour là. Yeah! Allez, viens, suis-moi. Yeah! Le petit Emax. Vas-y. Yeah! Allez, on va descendre par là-bas. Ouais, ouais, parce que c'est arrondi en bas. Non, non, viens dans le virage là, moi je t'attends en bas. Tu viens là? Avec la voiture. Vas-y, viens. Tricheur.
Voilà. Ouais. Nickel. Là, voilà, en douceur. Tu prends le virage, pépère. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. C'est bon. Continue. Hein. Voilà. Et là, vas-y. Vas-y, on prend un petit coup. Recule un tout petit peu alors. Et tu me... Vas-y, un coup de gaz maintenant, en avant. Voilà, recule. Faut jamais freiner dans une descente. Tu continues à accélérer, surtout que ça descend doucement. Donc la machine, elle laissera toujours les fesses par terre. Ah, c'est pas très grave. Bah non, mais descends la roue, la voiture est descendue. Vas-y, je filme. Comme ça, si tu tombes, on pourra tous rigoler. N'aie pas peur, hey, ça fait 50 cm. Sur les pieds, pas sur les fesses. Voilà, et maintenant tu accélères. Comme la voiture. Non, pas toi. Pas la voiture, toi. Accélère, cours. Tu vois? Pas peur. Viens. Ah, c'est, là c'est génial. Si on pouvait encore avoir un champ de bosse comme ça, là, ça serait trop bien. Attention, casse pas la glace, hein, sinon c'est dommage, on peut plus rouler dedans. Pourquoi tu veux la casser? Attention. Ah, c'est quoi? C'est moi que j'ai atterri avant avec l'X-Max. Ouais. Ah ouais, t'as raison, c'est le X-Max quand il passe dans la glace, il explose tout. Donc sur la glace là, regarde, ce qu'il faut essayer de faire, c'est... Il faut garder le rythme. Elle est épaisse, hein. Voilà, j'ai trop de mille gaz, du coup je fais demi-tour. Voilà, regarde. Voilà, regarde là, c'est bon. Ah, raté, il n'y a pas assez de place. Ouais, c'est sûr que comme ça, tu risques pas d'user ta batterie. Merci Larso. Merci Weldom. Bon, une chose est sûre, il va falloir faire quelque chose pour ces triangles RPM. C'est vraiment un casse-moment.